Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour tricoter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pâquerette, tout simplement. Donc, attrapez vos aiguilles. On est parti. Ok, comment est-ce qu'on fait pour tricoter une pâquerette? Pas d'inquiétude, je vous mets ce que je suis en train de vous dire là. Je vais vous remettre les explications écrites dans la zone de description sous la vidéo. Comme ça, s'il y a besoin, vous pourrez vous y référer. Donc, pour notre pâquerette sur 5 mailles, on va aller regarder la deuxième maille qui est sur l'aiguille gauche et on va compter, donc moi je compte avec la pointe de mon aiguille droite, 3 rangs en dessous, donc 1, 2 et 3. Et c'est dans cette maille-là, de ce troisième rang en dessous, qu'on va venir, donc la maille elle forme un V là, ici, tac, je viens piquer dans le V. Donc, si je regarde derrière, ça fait ça. Et je vais aller tirer une première grande boucle. Avec mon fil, comme si je tricotais une maille à l'endroit. Je ressors ici. Ça fait ma première boucle de pâquerette. Ensuite, je tricote deux mailles à l'endroit. Une. Donc, faites attention avec la tension du fil ici. Retirez pas fort sur votre fil, sinon vous allez resserrer en fait l'ouvrage. Il faut garder une boucle assez ample. Hein. Donc, une. 2, je vais à nouveau tirer une boucle, donc là on la voit un peu mieux, ma maille elle s'est distendue, donc c'est dans ce trou là que je vais aller piquer avec ma pointe d'aiguille droite, tac, là pareil, je repasse le fil autour de mon aiguille, si je reviens devant, hop, là je retire, donc là pareil, hop, hop, je laisse un petit peu de jeu. Ce que je veux, c'est que mes grandes boucles elles aient à peu près la même taille, ça c'est important pour avoir un ouvrage qui soit harmonieux. Je tricote à nouveau deux mailles. Et je vais aller piquer une dernière fois, donc dans ce trou-là, toujours avec ma pointe, tac, je passe autour. Alors là, on commence à avoir beaucoup de mailles, il faut faire attention à ne pas laisser tomber. Donc là, hop, on a notre troisième boucle. On refait encore une fois ensemble, sur une deuxième pâquerette. Ok, on refait ensemble, donc on se souvient, première maille, je regarde la deuxième et je compte avec ma pointe. 1, 2, 3, c'est là que je pique dans le V. Tac, je pique. Première boucle, je passe mon fil autour. Je ressors ma maille. Je tricote deux mailles à l'endroit. 1, 2. À nouveau, je vais vouloir faire une boucle. Donc là, ma maille s'est étirée 3 rangs en dessous. Je viens piquer dedans. J'attrape mon fil. Je ressors ici, j'allonge ma boucle. Ce que je veux en fait, c'est que ma boucle soit suffisamment longue pour qu'elle prenne la place des trois rangs en fait, pour pas resserrer le rang qui est en cours par rapport au troisième rang du tout. Et je tricote à nouveau trois mailles. N'importe quoi, deux mailles, excusez-moi. Et je vais repiquer là, donc, mes trois rangs du tout. Donc je pique ici, tac. Je tourne mon fil autour et je trouve que la dernière, elle est toujours un peu plus difficile à sortir. J'ai ma troisième boucle. Ok, maintenant, on va se retrouver, donc on fait des pâquerettes sur du tricot en rond. Donc, on va se retrouver au rang suivant pour voir comment on termine la pâquerette. Bien, deuxième rang, me voilà revenu là au tout début de ma première pâquerette. Ce que je vais vouloir faire, c'est éliminer les mailles que j'ai faites en trop. Pour ça, hyper simple. Donc ça, vous vous souvenez, c'était la première maille par rapport à laquelle j'avais compté deuxième et trois rangs en dessous. Et bien cette maille-là, je vais la tricoter avec la première grande boucle que j'ai ici. Donc je les tricote toutes les deux. Donc là, attention, tac, à l'endroit. Hop, la maille suivante, je la tricote toute seule. Ensuite, j'arrive à nouveau avec une maille toute seule, ma boucle, je les tricote ensemble. Je tricote ma maille toute seule. Et ma maille toute seule et ma boucle ensemble. Et du coup, j'ai à nouveau mon bon nombre de mailles et j'ai formé ma pâquerette. Je vous le remontre pour la deuxième pâquerette qu'on avait faite ensemble. Donc, je suis arrivée sur ma deuxième pâquerette. Donc la première maille et la grande boucle
ensemble. La maille suivante, toute seule. La maille suivante et la boucle, ensemble. La maille suivante, toute seule. La maille suivante et la boucle, la dernière, ensemble. Et voilà la deuxième pâquerette. J'espère que ces explications vous auront permis de réaliser vos premières pâquerettes, peut-être. En tous les cas, si vous faites ça, dites-moi sur quel type d'ouvrage vous êtes en train de mettre des pâquerettes, ou si ça vous a donné envie de mettre des pâquerettes sur d'autres ouvrages. Racontez-moi un peu tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous êtes tombé par ici complètement par hasard. Il y a des nouvelles vidéos qui tombent chaque lundi à 18h. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite.